Mercedes dément les rumeurs. Les négociations avec Hamilton n'ont pas encore commencé. Oui, alors, parce qu'effectivement, on a vu la semaine dernière qu'il y avait une rumeur qui annonçait 70 millions par an pour Hamilton. Bon, un porte-parole de Mercedes a démenti tout ça. Évidemment, l'hiver n'arrête pas le moulin à rumeurs. Il a été divertissant de lire des spéculations sur la discussion de contrat alors qu'elles n'ont même pas encore commencé. Les rumeurs semblent avoir commencé sur un blog français Sportune, avec lequel nous n'avons pas de relation. Elles sont assez folles en termes de ce qu'elles suggèrent. Toto a déclaré, officiellement vendredi dernier, que les discussions n'ont pas encore commencé. C'est exactement la situation actuelle. Donc même si les négociations du contrat n'ont pas encore commencé, il semble bien que nous continuerons à voir Hamilton sur la grille en 2024. La principale question est de savoir combien de temps durera le contrat entre lui et Mercedes. Ouais, bah du coup, dépêchez-vous de commencer tout ça, qu'on soit fixé, hein. Comme je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment attendre le début de saison avant de... En attendant de voir les premières courses, ce que ça donne? Ou alors est-ce qu'ils vont le faire avant le début de saison? Bon, bah, écoutez, suspense total. On aura la réponse très vite, je pense. Allez.